Et éventuellement, ça vaudra cher. C'est pas sûr du tout. Il y a partout. Enfin, oui, je crois que le petit les bandes dont vous parliez, c'était des grosses. On est présent, je crois, sur tous les segments du marché. Avec à chaque fois un niveau qualitatif qui est sans précédent. Je pense que c'est ce qui fait la différence. Les galeries amènent leurs œuvres majeures parce qu'elles savent que nous avons la capacité aussi de faire venir les collectionneuses et les collectionneurs qui sauront rencontrer ce genre d'œuvres et les acheter. Booming, I would say now we could consider to be in one of the most important and interesting city in the world in my territory in art. The proposal with the Fondation Pinault, the Fondation Arnault, the Fondation Cartier, the Pompidou Center, the Musée d'Orsay, the Musée Guimet, the Palais de Tokyo, it's amazing. I would be an American, I would go to Paris. Quand j'ai commencé ma carrière, très peu de pays avaient des collectionneurs, très peu de pays avaient des musées, très peu d'outils de promotion. On parlait très peu d'art contemporain dans les magazines, dans les journaux. Et de nos jours, évidemment, on parle énormément de nous et un support comme Instagram a rendu évidemment ce phénomène complètement mondial. Nos galeries n'ont jamais été autant visitées, que ce soit physiquement ou virtuellement. It's actually very interesting. This decision was definitely also created during COVID, because during COVID it was clear to me that I wanted to go somewhere where I could go by train, where I was not dependent on a plane. But again, also to say that I think Paris is the only
big city on the continent. So it's the most important city also for contemporary art. So it was also clear that I would do it here, and I love Paris. So.